À quoi tenez-vous? Une pensée comme une promenade hors des sentiers battus. L'Anthropocène s'impose chaque jour avec une urgence plus aiguë qui ouvre un précipice, tant l'inaction semble grande. Cet effondrement offre la possibilité d'un tournant, répondre à la question « que faire ?». C'est aussi se demander « comment penser et comment imaginer ?». L'avion pollue énormément. Le monde et nous, le monde est nous, le monde et nous, le monde et nous. Soyons attentives à ne pas piétiner la façon dont ces entités peuplent leur monde respectif. Ah non, c'est à quelqu'un d'autre. C'est un modèle du futur, car au lieu de l'Internet des objets, on pourrait dire que c'est le corps ou les appels somatiques ou des cellules des choses qui parlent. Innocemment, naïvement, directement. Il faut les trouver. Ces critères contribuent-elles à faire des lieux habitables? L'avion pollue énormément. L'avion pollue énormément. L'avion pollue énormément. Elle vulgarise la recherche en laboratoire, comme beaucoup d'autres artistes d'intelligence artificielle. Ça résiste au désordre, ça force, ça tire, ça se maintient coûte que coûte. Ça ne cédera jamais. Prendre en compte la génération qui parle. La précarité est un concept pour penser le monde qui nous est imposé. Il y a parfois des malentendus entre les noms et les choses. De la boue, bouse, bouse, du temps de la bouse, les pieds dans la bouse, boue, boue. Pourra-t-on réapprendre la langue du bien parler courbe? Accrochez-vous-y et ne le perdez jamais de vue, c'est un savoir utile. Mais vous le savez peut-être, Van der Tuin l'explique très bien. Diffraction is meant to disrupt linear and fixed causalities and to work toward more promising interference patterns. She also explains that this can be practiced by reading text through one another and rewriting. This disrupts the temporality of a piece of writing and can change meaning in different contexts, opening up meaning. Un peu comme une lumière, une onde et une particule à la fois, qui se diffracte en une myriade d'éclats et de directions à choisir, d'interprétations à faire, et qui, pourtant, reste complète et ne se perd pas de vue en elle-même. La situation met en jeu des processus d'apprentissage automatisés par des machines. Vous entendez des machines? Non, c'est à quelqu'un d'autre. De guerre lasse. Je ne suis pas certaine d'avoir tout saisi.
Son originalité vient d'un prélèvement d'altération. L'invisibilité fait partie de son cahier des charges. Ce train, il est déjà passé, depuis longtemps. Est rationnel ce qui suit le fil des différentes raisons. Représentez-vous d'abord avec clarté ce que vous voyez véritablement de vos yeux. Décrivez-vous à vous-même la forme, la couleur et tous les autres attributs de cette graine, et passez ensuite aux réflexions suivantes. Include apparatus self. Include câble, machine, les bruits, le toucher, la température, ton corps. L'avion pollue énormément. Il n'y a pas plus de monde visible que de monde invisible. Pas plus de monde invisible que de monde visible. Comment penser? Bribes d'ignorance flottant avec les images. Elles mettent à l'abri les images que nous aimons, préservent leur saveur. Leur charme reste entier, hors de la clarté trop vive des explications. Chaque parole m'éloigne de toi. Penser, nous devons. Comment penser? Se demander comment penser. Performons nos erreurs. Je pense qu'avec cette citation et votre réponse, nous imitons exactement le processus. J'aime tous les objets, je crois, vraiment tous. Mais je préfère ceux qui sont à l'échelle de la main. C'est vraiment réconfortant de tenir quelque chose qui semble fait pour être précisément là, entre les doigts ou au creux de la paume. Parler, se promener, saisir un objet. Plutôt de l'individu vers le global ou de l'inerte vers le sensible. Nous devons prévoir un futur qui s'accorde avec nos forces spontanées. Moi, je n'ai plus besoin du soleil. Je dors dans une cage. J'ai appris à lire dans le noir. Seuls les mots m'accompagnent. Du moins, ceux qui ne sont pas mangés ou oubliés. Il y a parfois des malentendus entre les noms et les choses. Chaque parole m'éloigne de toi. De la boue, 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 bouse, bouse, du temps de la bouse. Le monde et nous, le monde et nous, le monde et nous, le monde et nous. Les différences qui nous intéressent sont celles que nous ne considérons pas comme admises. Parler, se promener, saisir un objet. La combinaison est perdue. S'écarter des abstractions qui nous éloignent des vrais problèmes de la vie. Accrochez-vous-y et ne le perdez jamais de vue. C'est un savoir utile. Normalement, je montre plutôt mon côté droit. Et vous ? Comment qualifier leur qualité d'existence? Nous imitons exactement le processus. Comment penser? Une promenade. Que faire? Que faire? Une promenade. L'avion pollue énormément. Une pensée comme une promenade. Température, ton corps. Elle vulgarise la recherche en laboratoire. Pourquoi parles-tu toujours en énigme? Le critère n'est pas un prétexte ou une métaphore. Il est le support surprenant d'une leçon d'optimisme dans un monde désespérant.
Je n'ai plus besoin du soleil. Il faudra apprendre à vivre dans les ruines. Je n'ai plus besoin du soleil. L'avion pollue énormément. La combinaison est perdue. L'invisibilité fait partie de son cahier des charges. Chaque parole m'éloigne de toi. La combinaison est perdue, la fermeture est cassée. Jamais plus il ne pourra s'ouvrir et il a emporté avec lui ce à quoi il s'était accroché. Répétez l'exercice de se taire arbitrairement. Par exemple, lorsqu'on entend « je », on se tait pour une minute. Chaque parole m'éloigne de toi. Ça résiste au désordre. Sa force, ça tire, ça se maintient coûte que coûte. Ça ne cédera jamais. À vivre dans les ruines. Je ne suis pas certaine d'avoir tout saisi. Une île hawaïenne, East Island, engloutie par les eaux à la suite du passage d'un ouragan. Accrochez-vous-y et ne le perdez jamais de vue. Répétez l'exercice de se taire arbitrairement. Accrochez-vous-y. Arbitrairement. Et puis la chaise bouscule quand je vois mon grand-père qui me sourit derrière le frigo. Il m'accompagnait certains matins à l'arrêt du bus qu'elle allait m'emmener à l'école. Include ton corps. C'est déjà beaucoup une minute de silence imposée dans une conversation, non ? Je crois que c'est souvent une question d'angle de vue. Les choses ne sont pas aussi solides et figées que l'on ne le croit. Ne penses-tu pas que ce serait plutôt l'inverse ? Plutôt de l'individu vers le global ou de l'inerte vers le sensible ? L'avion pollue énormément. J'ai été. Que faisons-nous ? Que faire ? Que faisons-nous avec cette créature ? Je ne suis pas certaine d'avoir tout saisi. Pourquoi si triste ? De guerre lasse. Nous imitons exactement le processus. Entre les noms et les choses. La fantaisie n'est pas innocente. Boue, bouse, 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 temps de la bouse, boue, les pieds dans la bouse, boue. Service client de l'année 2019. Bou, bou, bou. Si aucun humain n'y vivait, l'île abritait des espèces menacées, comme les phoques moines et des tortues vertes d'Hawaï. Une fleur qui crépite. Réfléchis quand même. La métaphore de la réflexion reflète les thèmes du miroir et de la similitude. La diffraction est marquée par des motifs de différence et donc préférable à mon avis. On constate toujours une situation de départ susceptible de se répéter indéfiniment, mais sur la base de laquelle des combinaisons, toujours nouvelles, permettent de se produire. Peut-être n'avons-nous pas de mots, ni de sens pour ce critère. La bonne conduite nous pousserait à être plus rigide qu'une machine. Non, c'est à quelqu'un d'autre. Ce
chaque parole m'éloigne de toi. Aucun humain n'y vivait. J'aime tous les objets. C'est déjà beaucoup une minute de silence. C'est vraiment réconfortant. Normalement, je montre plutôt mon côté droit. Réfléchis. La précarité comme concept pour penser le monde. Pourquoi parles-tu toujours en énigme? À quoi tenez-vous? Une fleur qui crépite. Il m'accompagnait certains matins à l'arrêt du bus qu'elle allait m'emmener à l'école. Je n'ai plus besoin de soleil. Seuls les mots m'accompagnent, du moins ceux qui ne sont pas mangés ou oubliés. Et je suis désolée, mais en peinture, la référence à un maître plus ancien, un collage à partir de matériaux disparates, est une chose admise, voire même recherchée. Dans le domaine de l'écriture, c'est comme si rien ne pouvait interagir. Je crois que c'est souvent une question d'angle de vue. Les choses ne sont pas aussi solides et figées qu'on ne le croit. Soyons attentives à ne pas piétiner la façon dont ces entités peuplent leur monde respectif. Cette citation? Non, c'est à quelqu'un d'autre. Et votre réponse? Nous imitons exactement le processus. Nous imitons le processus. L'avion pollue énormément. Le monde est nous, le monde est nous, le monde est nous. Le monde est nous, et nous. Le monde. Comment penser? Que faire? De guerre lasse. Je suis désolée. Ce train a passé depuis longtemps. Les choses. Des choses. Des choses. Des choses. Des choses. Accrochez-vous-y, ne le perdez jamais de vue. C'est un savoir utile. Une leçon d'optimisme dans un monde désespérant. Il faudra apprendre à vivre dans les ruines. Englouti par les eaux à la suite d'un passage d'ouragan. Fleur qui répite, qui crépite. Je ne suis pas certaine d'avoir tout saisi. Que faisons-nous avec ces créatures?